Amen. Gloire à l'agneau de Dieu ce soir. Glory to the Lamb of God tonight. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. May the Lord moment. Bless you again this evening. Qui peut dire amen? Who can say amen? Hier, il y a eu plus de bénédictions parmi nous. Yesterday, there was a rain of blessing in our midst. Combien avaient été bénis eux-mêmes? How many were blessed? Nous croyons que ce soir, we see that tonight, il y aura encore la double portion de la bénédiction d'hier. There will be a double portion of yesterday's blessing. Nous ne venons pas comme à l'accoutumée. We don't come like usual. Nous voulons que ces réunions puissent avoir un autre impact dans nos vies. We want this meeting to have another impact et on our lives. Et ça dépend de notre attitude. Now it depends on our attitudes. Qui peut dire amen? Who can say amen? Alors rapidement pour cette deuxième journée. Now quickly for the second day. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres. In the book of Acts of Apostles. Actes chapitre 2. Acts chapter 2. Nous lisons le verset 25. We are reading the 21st verse. Actes chapitre 2. The book of Acts chapter 2. Le verset 25. Verse 25. Jusqu'au verset 27. To 27. La Bible dit. The Bible says. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est là à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Acts chapter 2 from verse 25. For David speaks concerning him. I foresaw the Lord always before my face. For he is on my right hand. I shall not be moved. Therefore did my heart rejoice. And my tongue was glad. Moreover also my flesh shall rest in hope. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer the Holy One to see corruption. Amen. Amen. Nous ajoutons, we shall add, 1 Pierre chapitre 3, 1 Peter chapter 3. Nous lisons le verset 18 au verset 20. We read from verse 18 to 20. La Bible dit, the Bible says, Christ a aussi souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux âmes, aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Amen. 1 Peter chapter 3 from verse 18. For Christ also has once suffered for sin, the just for the unjust, that he may bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the Spirit in prison, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, bearing wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Prions. Let us pray. Notre Père et notre Dieu.
Our Father, our God. Nous voici encore ce soir dans la deuxième journée de ces réunions de Pâques. Here we are again tonight, the second day of this Easter meeting. Pour penser, Seigneur, à ta mort, à ton ensevelissement et à ta résurrection, Seigneur. To think on your death, your burial, and your resurrection. Seigneur, comme tu as été avec nous hier, Père. Lord, as you are with us yesterday. Écarte encore l'homme du chemin ce soir. May you put the man aside tonight. Descends par ta parole, Père. Come down through your word, Lord. Brise le pain de vie pour nous vivifier, Seigneur. Break the bread of life to quicken us. Seigneur, notre prière au Dieu. Lord, our prayer, oh God. Lors de ces réunions jusqu'au 6 avril, Père. During this meeting up to the 6th of dans April. Dans ces 5 jours que nous voulons être dans ta présence. In these 5 days, we want to be in your presence. Comme 5, c'est le chiffre de la grâce. As 5 is the number of grace. Laisse que nous puissions trouver grâce spéciale devant toi. May we find a special grace in your presence. Et nous voici dans cette deuxième soirée, Seigneur. Here we are in the second descends par une bénédiction de témoignage. Partout. May you come through a blessing of testimony. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est venu. Bless each brother and sister that came. Donne l'onction et la révélation, Père. Give the anointing and the revelation. Guéris ceux qui sont malades. Heal those who are sick. Sauve les perdus. Save the lost. Délivre les captifs. Que l'œuvre du calvaire, Seigneur. May the works of Calvary. Par ton ensevelissement, comme on va l'entendre ce soir. Through your burial, as we heard tonight. Et par ta résurrection, comme si tu le veux, on va l'entendre demain, Père. And through your resurrection. Et par ton retour en tant que colonne de feu au milieu de nous. And by your return as a pillar of fire in our midst. Que nous allons entendre le mardi si tu le veux, Seigneur. Will you hear Tuesday, God willing. Que laisse que l'omnipotence parle, Père. Let the omnipotence speak. Et que le miraculeux soit le sujet de la vie de chacun. And the miraculous be the que nous soyons plus les mêmes personnes, Seigneur. Bless. Et bénis-nous encore une fois, Seigneur. Bless us once again. Que ta gloire de la Shekinah descende. Let the Shekinah glory be down. Par nous tout puissant. In an almighty name. Que notre Seigneur. Of our Lord. Et Sauveur Jésus-Christ. And Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Notre première réunion, nous avions parlé. In our first meeting, we spoke. Sur le mystère. On the mystery de ce grand jour-là au calvaire. Of that great day at Calvary. Combien ont saisi ce grand mystère-là? How many understood the great mystery? Nous avons détaillé beaucoup de choses profondes. We spoke in the deepness on that. Nous vous conseillons que tu ne peux pas être béni dans ces réunions. We say you cannot be blessed in this meeting. Si tu rates une réunion, tu ne saisiras pas tout. If you miss one meeting, you will never understand the other one. Fais le sacrifice d'être là dans toutes les réunions. Make sacrifice to be in all meetings. Pour avoir la vraie révélation de ce que l'Esprit a mis dans notre cœur. To get the true revelation of what the Spirit spoke in our heart. Hier, nous avons parlé dans le vendredi saint. Yesterday, in Good Friday, we spoke. Au sujet de l'œuvre du calvaire. Concerning the works of Calvary. Pourquoi il est mort à Golgotha? Why he died at Golgotha? C'est là où Adam est enterré. That way, Abel was buried. Le second Adam qui est venu le ressusciter. Because him being the second, he came to resurrect him. Pourquoi? C'est là où David avait tué Goliath. Why? That way, David killed Goliath. Et nous avons vu pourquoi il avait porté la couronne de pines. And we saw why he wore the crown of stones. C'est pour ôter notre malédiction. It was to take away our curse. Et pourquoi il avait reçu 39 coups, qui sont les 39 meurtrissures? Why he received 39 tribes. Pour la guérison de toutes nos maladies. Which has 39 wounds for et the healing of all. Et pourquoi son sang qui healing. Avait les ADN du Saint-Esprit. Why his blood that had the DNA of the Holy Ghost. Était coulé, c'est pour pardonner nos péchés. Was shed for to forgive our sins. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Can somebody say amen? Nous avons lié ça avec le voile à la croix. And we saw with the thief at the cross. Et avec les 7 mots de sa dernière prédication à la croix. With the 7 words of his last preaching at the cross. Et nous avons lié ça pourquoi l'œuvre du calvaire. Then we link it why the works of Calvary. Branham dit c'est là où le prix a été payé. Branham said that where the price was paid. C'est là où Dieu a terminé avec le problème de nos péchés. That where God settled with the problem of our sins. Et nous avons vu qu'il a dit que nous devons le suivre dans then ce chemin-là. He said we need to follow him on that road. C'est pourquoi nous avons aussi étudié. That's why we study as well. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces jours-là? What must we do for that day? Branham nous a répondu. Branham answered us. Nous devons vivre pour les autres. We must live our life for others. C'est ça la conséquence de l'œuvre du calvaire dans nos vies. That is the consequences of works of Calvary into our life. Si vous le croyez, dites amen.
If you believe, say amen. Maintenant pour ce soir, now for tonight, nous allons ouvrir un deuxième mystère. Then we shall open a second mystery. Je vais parler sur le grand mystère de son ensevelissement. I will speak on the great mystery of his burial. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de son ensevelissement. Because today is the day of his burial. Hier c'était son jour au calvaire. Yesterday it was his day at Calvary. Après qu'il est mort au calvaire, il a été enseveli. After he died at Calvary, he was buried. Il a été enterré. He was buried. Dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Into the tomb of Joseph d'Arimathée. Bon, mais toutes ces choses-là étaient des mystères cachés. Bon, I'm saying all that was a hidden mystery. Chaque étape de sa vie, each stage of his life, avait une conséquence sur la vie du croyant. Had a consequences into the life of a believer. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Le grand mystère de son ensevelissement. The great mystery of his burial. C'est un grand mystère. Is a great mystery. Soit le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. That's why the day of Pentecost when the Holy Ghost came down. Pierre est en train de rappeler aux Juifs. Peter. Remembering the Jews. C'est que David avait dit. What David says. Que David dit que j'étais dans l'allégresse. David said I was rejoicing. Et mon âme est dans la joie. My soul rejoiced. Parce que je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Because I will not allow my Holy One to see corruption. Mon ami parlait là du corps de notre Seigneur. What I say, he was speaking about the body of our Lord. Qui devait être enterré dans la tombe. That need to be buried in the mais tomb. Dieu ne permettra pas que cela puisse pourrir. But God will never allow that to be rotten. Dieu ne permettra pas qu'il y ait la corruption dans ce corps-là. God will never allow corruption enter in that body. Le corps de notre Goël. The body of our Goël. Le corps de notre parent rédempteur. The body of our King's Redeemer. Le corps qui est né sans péché. The body that was born with et j'avais insisté pour que vous compreniez ici, dans cette église, then I emphasized for you to understand this church. Peu importe la parole faite chair que nous croyons, no matters the word make flesh that we believe. Mais nous n'avons pas de confusion entre le Seigneur Jésus-Christ et William Branham. We should not make confusion between the Lord Jesus Christ and William Branham. Branham n'est pas mon sauveur. Branham is not my savior. Et il ne le sera jamais. And he will never be. Et il ne le deviendra jamais. And he will never become. Le seul sauveur. The only savior. Le corps né sans péché. The body born without sin. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. It's the body of the Lord Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Can somebody say big amen? Et remarquez là-dessus, mes amis. Notice. Qu'ici là on a lu. Where we read, l'apôtre Pierre est venu encore ajouter. The apostle Peter added. Quand il parlait que Jésus a souffert, when he spoke that Jesus suffered, jusqu'à ce qu'il est descendu, until he came down, dans les séjours des morts, into the hell, pour prêcher aux âmes qui sont en prison, to preach to the souls in prison. Cette prédication ne consistait pas à leur sauver. That preaching never concerned their salvation. Mais c'était le troisième pull de son ministère. But it was the third pull of his ministry. Pour condamner les âmes qui sont déjà perdues. To condemn the souls which are lost. C'était le ministère du Fils de l'homme Alpha. It was the ministry of the Son of Man Alpha. Nous avons vu qu'il est mort le vendredi le 6 avril. We saw he died Friday the 6th of April. L'an 33. The year 33. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. I know why I'm emphasizing. Parce que le mardi vous comprendrez pourquoi. That's why Tuesday you understand why. Il est mort le 6 avril l'an 33. He died the 6th April 33. Il avait dit je retourne au Père. He said I return to the Father. Il redevient colonne de feu. He became pillar of fire. C'est pourquoi le 6 avril 1909. That was the 6th April 1909. Dans la même saison, dans la même date. Under the same season, the same date. La même colonne de feu revient. The same pillar of fire returns. Dans l'église. In the church. Cette fois-ci pour faire de grandes choses. This time to do great things. Il fera des choses qu'il n'a pas fait dans son corps. He will do things he never done in his body. Il est mort le vendredi le 6 avril. He died Friday the 6th of April. Il était le puissant vainqueur. He was a mighty conqueror. Mon ami, ce jour-là quand il est mort, what I'm saying, that day when he died, son corps est parti dans la tombe.
His body went to the tomb. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il était corps, esprit et âme. He was body, spirit and soul. Quand il a soupiré, when he gave up the ghost, ce n'était pas une mise en scène. Bob said he was not playing a drama. Il était réellement mort. He really died. Alors on a pris son corps le soir. Then they took his body at night. On est parti placer ça dans la tombe de Joseph d'Arimathée. They went to lay it into the tomb of Joseph d'Arimathée. Notez bien que ce n'était pas sa tombe à lui. Keep in mind, that was not his own tomb. Il avait emprunté cette tombe-là. He borrowed that tomb. Son corps a été là-bas. His body was there. Alors, son esprit est rentré au ciel. What I'm saying, his spirit returned in heaven. Auprès de Dieu. To God. Mais son âme, but his soul, qui est la nature, l'être de son esprit, which is the nature, the being of his spirit, est parti dans le séjour de mort. Went to hell. Et là-bas dans sa théophanie, and over there in his theophany, il était en train de faire un travail que nous allons décortiquer maintenant. He was doing a work that will speak now. Madame dit qu'il a fait ces choses-là à 33 ans. Why I'm saying he did those things at 33 years. Pourquoi il fallait qu'il meure à 33 ans? Why that he have to die at 33 years? La Bible n'a rien dit là-dessus. The Bible never say anything. Mais quand le septième ange est venu, but when the seventh angel came, il nous donne les détails même pourquoi il est mort à 33 ans. He give us the detail why he died at 33 years. Madame, l'âge de 33 ans, when I say the age of 33 years, c'est l'âge de grande victoire pour des grands. Is the age of great victory for the great people. C'est pourquoi vous voyez David. That's why you see David. Quand il a eu 33 ans. When he reached 33 years. Saul est mort quand David avait 30 ans. Saul died when David was 30. On l'a oué roi. He was anointed. Mais il y avait une opposition de deux tribus contre lui. But there was still an opposition of two tribes against him. Cela a pris 3 ans. It took 3 years. Et quand David a atteint 33 ans, when David reached 33 years, il était le Christ pour son époque. He was the Christ for his time. Il a eu une grande victoire. He got a great victory. Et il a rassemblé Israël. And he gathered Israel. Depuis ce jour-là, since that day, l'âge de 33 ans est l'âge de grande victoire. The age of 33 years is the age of great victory. On a dit même Alexandre le Grand. Bible says even Alexandre the Great, qui est dans la vision de Daniel, which is the vision of Daniel. Ce jeune homme-là, Macédonien grec, that Macedonian Greek young man, 33 ans. It was when he reached 33 years. Il a conquis le monde entier. He conquered the entire world. On l'appela le roi des rois. He was called the King of Kings. On a dit même Napoléon est grand. Bible says even Napoléon. Parce qu'à 33 ans, because at 33 years, Napoléon a conquis le monde entier. Napoléon overcame, conquered the entire world. Même Arlong en Suisse. Bible says even in London, en Suisse, in Switzerland, il donna la victoire à son peuple. Aaron in Switzerland give the victory. À l'âge de 33 ans, when he reached 33 years. Vous les jeunes gens ici, vous devez comprendre ça. You young people here, you should understand it. Quand tu dépasses 33 ans, when you go over 33 years, tu n'as jamais eu de grande victoire dans ta vie. You never got great victory in your life. Quelque chose ne marche pas. There's something wrong. C'est pourquoi les young people a eu la grande victoire de Johannesburg. That's why the young people got the great victory of Johannesburg. En 2009, in 2019, exactement aussi 2019, à 33 ans. Exactly in 33 years. Ça c'est un mystère qui sont pour les grands. That is a mystery for the great. L'âge de 33 ans. The age of 33 years. Mon ami, ce soir, my friend, tonight, comme j'avais dit, je vais apporter des choses différemment. As I say, I'll bring things differently. Tu ne réussis pas dans la vie par hasard. You don't succeed in life by chance. Il y a des âges quand tu dépasses ça. There are certain age when you go over it. Tu ne peux plus vaincre. You can never, never overcome. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe, say big amen. L'âge de 33 ans, the age of 33, quand tu le dépasses, jeune homme, when you go over it, young man, il n'y a pas de victoire dans ta vie. There's no victory in your life. C'est que toi, tu n'es pas dans le livre des grands. It means that you are not in the book of greats. Le plus grand de tous les
grand. Because the greatest of all the great. C'est le Seigneur Jésus Christ. Is the Lord Jesus Christ. Mais lui aussi dans le même principe. That was him also. Under the same principle. Il est venu vaincre toutes choses. He came to overcome everything. À l'âge de 33 ans. At the age of 33. Il est le puissant vainqueur, le puissant conquérant. He is the mighty conqueror. Il a vaincu la naissance par le sexe. He overcame birth by sex. Sa vie n'a été que des victoires. His life was only victory. Il n'est pas venu par l'union d'un homme et d'une femme. He never came through a union of a man and a woman. Il a vaincu cette manière de venir. He overcame that way to come. Il est venu par la parole de l'ange. He came through the word of the angel. Il a vaincu le sexe, mes frères. He overcame sex. Il a vaincu la pauvreté. He overcame poverty. Vaincu la tentation. What I'm saying, he overcame temptation. Satan l'a tenté. Satan tempted him. Il est écrit, il est aussi écrit. His written is also written. Il a vaincu Satan. He overcame Satan. Prenez-moi, il a vaincu la tentation des femmes. What I'm saying, he overcame temptation of women. Prenez-moi, Jésus pouvait se marier et engrosser une femme. What I'm saying, Jesus could have get married and have a baby. Parce que son corps était 100% homme. Because his body was 100% a human being. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Can a believer say amen to that? Ce jour-là, quand la femme lui lavait les pieds, that day when the woman was washing his feet, il a eu les mêmes sensations sexuelles comme tout homme. He had the same sexual feeling like any man. Mais il a vaincu les femmes. But he overcame women. Ce soir, toi, si tu as une telle faiblesse, il t'est ici pour vaincre. And tonight, if you've got such weakness, you are here to overcome. Frère Bonhomme, il a vaincu la popularité. But I say he overcame popularity. Il est parti quand tout le monde criait de le guérir. He went, everybody, when people were shouting for him. Mais il a choisi une seule personne. When there was a lot of people to get healed, but he went to one person. Lui n'avait pas la compassion. Him. He never felt compassion. Mais il avait l'amour. But he had love. Il faisait que la volonté de Dieu. He only do the God will. Il a vaincu la moquerie. When I'm saying he overcame to be mocked. Quand on se moquait de lui. When they were mocking him. Il avait toute la puissance. He had all power. Mais il n'a rien répliqué. But he never responded. Il a vaincu toute chose. He overcame everything. Il a vaincu la maladie. When I'm saying he overcame sickness. Il a vaincu la vie du péché. He overcame the life of sin. Il a vaincu toutes sortes de choses qui sont devant nous. He overcame everything which are in front of us. Mais il y a un ennemi que le monde ne pouvait pas vaincre. But there is one enemy whereby the world could overcome. That was death. Alors il est venu vaincre la mort. Then he came to overcome death. Mais c'est ce qui fait de lui au-dessus de Napoléon. Well, I said that what make him to be above Napoléon. Au-dessus d'Alexandre le Grand. To be above Alexander the Great. Au-dessus d'Harold. To be above Harold. Au-dessus de tous les héros de la terre. To be above all heroes of the earth. Il restait un ennemi qu'aucune personne ne pouvait vaincre. There remained one enemy whereby no human being could overcome. Cet ennemi-là s'appelait la mort. That enemy was called death. Et lui, le puissant vainqueur, est venu vaincre la mort. And him, the mighty conqueror, came to overcome death. Mon ami, sa victoire est notre victoire. What I'm saying, his victory is our victory. S'il a vaincu le péché, if he overcame sin, la tentation, temptation, les femmes, women, la popularité, popularity, toi aussi tu dois le vaincre. You also, you must overcome. Parce que Christ en nous, because Christ in us, il nous donne la même victoire. He gives us the same victory. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen à cela? Can a Christian say amen to that? Mon ami, le chrétien doit vaincre toute chose. What I'm saying, the Christian must overcome everything. Ce jour-là, quand il est monté sur le bois du calvaire, that day when he went on Calvary, il a vaincu la croix. He overcame the cross. De mourir comme un bandit. To die just as a thief. Et il devait maintenant descendre. He had to come down. Pour vaincre la trinité de Satan. To overcome the trinity of Satan. Qui consistait en la mort. Which was about death. La tombe. The tomb. Et le séjour des morts. And hell. Cette trinité-là. That trinity.
Personne n'a vaincu ça avant Jésus. No one overcame it before Jesus. C'était un ennemi coriace. Amen. That was a strong enemy. Mais lui est venu. But he came pour vaincre cet ennemi-là. To overcome that enemy. Madame, pourquoi il est descendu là-bas? Well, I say why that he went down there. Quand il est venu sur la terre, when he came on earth, il est venu avec les clés du royaume. He came with the key of the kingdom. Parce que le monde et l'univers, because the world and the universe, est régi par des clés. Is being conducted by two keys. Les clés du royaume des cieux, the key of the kingdom of heaven. Ça vous écoutez ça? Do you listen to this? Et les clés de la mort et du séjour des morts. And the key of death and hell. Et les clés du royaume. And the key of the kingdom. C'est le Dieu avec ça. Only God hold it. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et les clés de la mort. The key of death. Satan avait ça. Satan used to have it. Parce que c'est lui qui a introduit la mort dans la race humaine. Because it's him who introduced death in human race. Quand nous parlons de la clé, when we speak about the key, n'ayez pas une compréhension pentecôtiste. Don't have a Pentecostal understanding. Une compréhension de petites églises, de bébés du message à Johannesburg et dans le monde. Oh, an understanding of little church of the message in Johannesburg or in the world. Voilà, qui écoute des petits prédicateurs avec des petits sermons. Bon, c'est those who listen, little preacher with little sermon. Quand nous disons clé, when we speak about the key, il ne s'agit pas de ce que Matou Samuel vous a chanté là. It's not about what this Pentecostal sing a song. Oh, ma clé, fungola nangai, fungola nangai. Speaking about the key, no, like a normal key. Bon, c'est l'agneau qui prend le livre. Is the lamb that take the book. Il le brise par la voix du septième ange. And he break it through the voice of the seven angels. Madame, le clé veut dire une connaissance. Now, when I'm saying key, it means a knowledge. Et quand Jésus a vaincu, when Jesus lived, un jour il a posé la question. Amen. Then one day he asked the question. Qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Who do you say I am? I the son of man. Ils ont dit les autres disent que tu es Élie. They say others say you are Elijah. Les autres disent que tu es ceci. Others say you are this one. Remarquez frère Branham, nous continuons. Notice, voilà, c'est le test. Qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Who do you say I am the son of man be? Ils ont pris les réponses des pasteurs qui ne connaissent pas la parole. They took the answers of pastors, those who don't know the word. Non, les autres disent que tu es Élie. No, others say. Les autres tu es Jérémie. Others say they say you are Jeremiah. Leurs réponses n'étaient pas totalement fausses. Their answer were not totally wrong. Vous écoutez ça? Do you listen to this? Madame, c'était des réponses à peu près vraies. Bible say. Those were almost true answers. Mais Dieu ne peut pas bâtir une église. But God cannot build a church par des réponses à peu près. True, almost good answer. Simon a pris la parole. Then Simon took the word. Il dit, je n'ai pas honte de te dire. He said, I don't feel ashamed to tell you. Tu es le Christ. He said, you are the Christ. Le fils du Dieu vivant. The Son of the Living God. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Jesus replied, blessed are you, Simon, by Jonah. Être heureux, ce n'est pas de devenir polygame. To be, hallelujah. To be blessed is not to become polygame. Ce n'est pas d'avoir les vestes. Is not to have suits. Ce n'est pas un bâtiment. Is not to have buildings. Ce n'est pas des voitures. Is not to have cars. Ce n'est pas l'argent. Is not to have money. Jésus a défini qu'est-ce que signifie être heureux. Jesus. Amen. Gave the meaning. What's the meaning of to be blessed? Tu es heureux, Simon fils de Jonas. Blessed are you, Simon. Ce ne sont pas la chair et le sang. Is not the flesh, nor the blood. Qui t'ont révélé ces choses? Which have revealed to you this. Mais mon père. But my father, et je te dis, and I tell you, sur ce roc, upon this rock, je bâtirai mon église. I will build my church. Frère Branham dit, but I'm saying, les catholiques disent, Catholic says, il a bâti ça sur Pierre homme. He built the church on Peter the man. Je ne peux pas bâtir son église sur un homme. God cannot build his church upon a man. Parce que l'homme faillira toujours. Because man will always fail. Les protestants disent. Protestant say, il a bâti ça sur Jésus homme.
He built it upon Jesus the man. Madame, c'est faux. What I'm saying is false. L'église n'est pas bâtie sur Jésus homme. The church is not built on Jesus the man. Mais le roc dont Jésus parlait. But the rock that Jesus spoke ce about. Ce n'était pas Jésus homme. It was not Jesus the man. Parce que Pierre a dit tu es le Christ. Because Peter said you are the Christ. Le Christ est la révélation. The Christ is the revelation. De qui est Dieu dans votre temps? Or who is God in your time? Et il change son nom. And he changed his name. On ne t'appellera plus Simon. You shall no longer be called Simon. On t'appellera Pierre. You will be called Peter. Le changement de nom, amen. Changing of name. Changement de caractère, de nature, de position. Changing of character, position. C'est la même chose est devant nous. Paul said the same things is in front of us. Que dites-vous que je suis le fils de l'homme Omega? Who do you say I am? The Solomon Omega. Nous nous croyons ici. As we believe here, et William Branham, that William Branham, est le Christ oint de ces jours. He is the anointed Christ of our day. Madame, Moïse était Christ en son jour. Branham said Moses was Christ in his day. Alors les incrédules ne peuvent pas dire amen. Oh, Frère Branham dit, but what I'm saying, quel sera le Christ de Malachi 4? Who will be the Christ of Malachi 4? Par le mot Christ, c'est le roi. Because the word Christ is the anointed le person. Le seul one de ces jours. The only anointed person c'est of this William day. Branham. Is William Branham. Dieu l'a oint. God anointed him. Et cette photo est la preuve. And this picture is the proof. En dessous c'est Branham. Below is Branham. Et au-dessus c'est l'onction. But above is the anointed. Au-dessus là c'est Christ. Above is Christ qui est venu rendre une église. Who came to anoint the church? Et sur cette révélation là, upon this revelation, amen et tabernacle est battu. Amen, tabernacle is built. So nous sommes un peuple heureux. That's why we are blessed people. Le séjour de mort peut combattre, amen. Hell can fight against him. Ça ne peut pas le vaincre. But he cannot overcome it. Parce que ce n'est pas bâti sur Jacob là, c'est un homme. He's not built upon the revelation. La révélation. But he's built upon the revelation. Et l'onction manifestée dans notre temps. Of the anointing manifested in our time. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Quand Simon a eu ça, when Simon got it, Jésus prend les clés du royaume. Then Jesus took the key of the kingdom. Il donne ça à Pierre. Gave it to Peter. Est-ce que vous êtes d'accord? Do you agree? Vous êtes d'accord? Do you agree? Pierre avec ses hauts et ses bas. Peter with up and down. Il a même renié. He even denied. Mais c'est seulement lui. But it's up onto him. Qui avait les clés du royaume? Who had the key of the kingdom? Si tu pars chez Jésus, if you go to Jesus, ouvre-moi le royaume. Open to me the kingdom. Lui, je n'ai pas les clés. He will tell you I don't have the key. Je suis le roi du royaume. I am the king of the kingdom. Je suis le propriétaire du royaume. I am the owner of the kingdom. Et les clés pour entrer dans cette porte. But the key for you to enter in this kingdom. Moi, je n'en ai pas. I don't longer have it. Je n'en avais. I used to have it. Mais depuis Matthieu 16. Since Matthew 16. J'ai donné ça au pasteur Pierre. I gave it to Pastor Peter. Frère Manon dit c'est ça. Bonham said that is it. Les clés du royaume des cieux, the key of the kingdom of heaven, n'est pas entre les mains du Seigneur Jésus. Is no longer into the hand of the Lord Jesus. C'est à la main de l'Église. Is into the hand of the church. Et si je mérite être plus précis ce soir, and if I want to be so precise tonight, Pierre a donné ça à Paul. Peter gave it to Paul. C'est un clé qui marche. Hallelujah. It is a key. That shift the Paul had given to Irene. Paul gave it to Irene. Irene had given to Colomba. Irene gave it to Colomba. Colomba had given to Colomba. Gave it to Luther. Luther had given to Wesley. Luther gave it to Wesley. Wesley had given it to Frère Branham. Wesley gave it to Brother Branham. Est-ce que je peux avancer? I can move on. Branham had given it to Pastor Mbombo. Branham gave it to Pastor Mbombo. Mbombo had given it to Baruti. Mbombo gave it to Baruti. Et moi, Dieu aussi m'a donné ça. God, me, God also gave it to me. Vous devez croire dans cette église. You must be
ouvrit le ciel. You cannot go to heaven. We fight. I open heaven for you. Votre pasteur, your pastor, c'est lui qui a les clés du ciel pour vous. He is the one who's got the key of heaven for you. Mon ami, tu dois choisir le meilleur. That's what Paul say. You must choose the best pastor. Il dit une clé, une connaissance un peu plus élevée. He say a key means a higher knowledge. Pour enseigner les autres. To teach others. Et ce soir, je suis ici. And tonight I'm here. Pour ouvrir le royaume pour vous. To open the kingdom unto you. Quelqu'un peut dire amen à cela. Somebody can say amen to that. Remarquez, Jésus n'avait plus les clés. Notice, Jesus didn't longer have the key. Alors il devait descendre. And he had to descend. Pour aller prendre les clés qui lui manquaient. To go and take the key that he never had. Les clés de la mort. The key of death. Et du séjour de mort. And of hell. Qui a fait ça? Who used to have it? Satan. Satan. Si le croyant dit amen. If you will say amen. Celui du royaume. The one of the kingdom. Il donne ça au pasteur à l'église. He gave it to the pastor in the church. Mais il avait besoin de prendre celui de la mort et du séjour de But mort. But he had to take back the one of death and hell. Alors c'est pourquoi il a été enseveli. Paul said that's why he was buried. Parce que au calvaire. Because in Calvary, il était l'agneau expiatoire. He was the atoned lamb. Mais son ensevelissement, but his burial, il devient le bouc Azazel. He became the goat. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Brandon, si nous voulons comprendre ça, well, so if you want to understand it, le grand mystère, the great mystery, de son ensevelissement, of his burial. Dans les sacrifices et la purification du sanctuaire, into the sacrifice or purification of the sanctuary, on prenait deux boucs. They used to take two goats. On tuait le premier bouc. They killed the first goat. On l'immolait. They could slew him. On pouvait tuer une vache, un bouc ou une brebis. They could take kill a cow, a lamb. Or a sheep. Et on faisait l'expiation. They'll do the atonement with it. Maintenant, on prenait le péché du peuple. Then they'll take sin of the people. On mettait ça sur un autre bouc vivant. They put on the living coat. Et le sacrificateur le chassait. Then the high priest will chase him. Le faire sortir. We bring him out de la ville, from the city. On le chasse, they chase him, they chase on him. On l'amène jusque dans le désert, they bring him up to the wilderness. Là où il ne peut plus revenir dans la ville. Where he can no longer come back to the city. Abraham dit, voilà, voilà, c'est par sa mort à la croix, by his death at the cross. Ce que nous avons vu hier, what we saw yesterday, il était l'agneau de Dieu, he was the Lamb of God, qui ôte le péché de nos vies. That take away the sin of our life. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Mais dans sa théophanie, but by his théophanie, depuis vendredi soir, since Friday evening, quand son corps était dans la tombe, when his body was in the tomb, son âme dans sa théophanie, his soul, his théophanie, est descendu dans le séjour des morts, went into hell, comme étant notre bouc Azazel, as our coat, pour amener au loin nos péchés, to bring to far our sins. Si vous le croyez, dites amen. If you will say amen. Prenons une application l'ensevelissement. But I'm saying a spoken word burial. Prêchez le 20 avril 57. Preach the 20 April 57. Le message de Dieu, mes amis. The message of God, say my friend. Paragraphe 69, il dit. Paragraphe 69, il dit. Alors, then, que lui est-il arrivé de Jésus? What happened to him about Jesus? Où il est allé après qu'il a quitté la croix? Where did he go? After he left the cross, il a été mis dans la tombe de Joseph d'Arimathée. He was put into the tomb of Joseph d'Arimathée. Il était si pauvre. He was so poor. Qu'il n'avait pas un endroit où reposer la tête. That he didn't have a place to lay down il his head. Il était né dans une crèche. He was born into a manger. Il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. He had a bad reputation to be a bastard child. Sur la terre, on earth, on se moquait de lui. They mock him. On a ri de lui. They scoff him. Il a été l'objet de ra-
raillerie. He was the object of mockery. On s'est moqué de lui. They mock him. Il a été rejeté. He was rejected. Quand il est mort, when he died, il dut mourir de peine capitale. He died of a capital punishment. Au milieu de deux bandits. In the midst of two robbers. Il n'avait même pas d'endroit où être enseveli. He didn't even have a place to be buried. Il fut enseveli dans la tombe de quelqu'un d'autre. He was buried into a somebody else's buried tomb. Quelqu'un peut dire un grand amen? Somebody can say amen. De quelqu'un d'autre. Of somebody else. Le Dieu même du ciel vient sur la terre. The God of heaven coming on earth. Que pensons-nous de son être? What do we think about his being? Pour endurer une petite souffrance. To suffer such pain. Pensez, mes amis, à ce qu'il a fait pour nous. Just think in what he did for us. Méditez là-dessus. Meditate on it. Mais nous ici, moindre souffrance. But as yes, small suffering. Moindre moquerie. Small despising. Oh, on ne m'aime pas, je quitte l'église. Oh, they don't love me, I leave the church. Moindre souffrance. Small suffering. Moindre injure. Small insult. On a dû penser à cela. But I'm saying, think on it. Toute sa vie. His entire life. N'a été qu'une vie de souffrance. Was just a life of suffering. Le soldat romain a dit. The Roman soldier said, assurément, for sure, cet homme était le fils de Dieu. This man was the son of God. Le pécheur a dû reconnaître cela. The sinner recognized it. Mon ami Judas a dit, but I said, Judas said, j'ai livré le sang innocent. I betrayed an innocent blood. Il a dû reconnaître cela. It recognized that. La terre tout entière. The entire earth a reconnu cela. Recognize that. Pendant ce temps-là, il dit, page 72, il dit, où est-il allé après? Where did he go after? Quand un homme meurt, when a man dies, est-ce que c'est sa fin? Is it his end? Pas du tout. Not at all. On me dit, amen à frère Branham. C'est un mot pour le Branham. Il a dû mourir de cette façon-là. He had to die that way. Parce que la Bible de Dieu disait qu'il mourait de cette façon-là. Because the Bible of God said he had to die that way. Il s'était confié dans la parole de Dieu. It was in line with the word of God. C'est pourquoi pendant sa vie, that way during his life, il a pitié. He could say, détruisez ce temple. Destroy this temple. Et en trois jours, je le relèverai. In 3 days, I will restore it. Maintenant, paragraphe 76. Now, paragraphe 76. Remarquez. Notice. Il était là. He was there. Il savait que pas une cellule de ce corps-là ne pourrait se corrompre. He knew that not one joint of that body could be corrupted. Son corps qui était resté dans la tombe. His body that remained. La corruption s'installe après 72 heures. Corruption take over after 72 hours. C'est la raison pour laquelle. The reason why. Il n'a pas accompli les 3 jours. He never lasted 3 days. Mais c'était dans l'intervalle de ces 3 jours. But it was in between 3 days. C'est dans l'intervalle de ces 3 jours. It was in between 3 days. Qu'il devait ressusciter. He had to raise again. Car il s'était confié dans la parole de Dieu. Because he trusted the word of God. 77 dit. 77 dit. Le voilà parti. There he goes. Où est-il allé quand il est parti? Where did he go when he went? La Bible dit. The Bible says. Il est monté, il est allé prêcher aux âmes. He went to preach to souls. Qui étaient en prison. The souls were in prison. Aux âmes qui ne s'étaient pas repentis lors de la patience au jour de Noé. The souls, those who never repented the day of Noah. Son âme, his soul, son esprit, sa théophanie. His spirit is theophany. La théophanie de son être. The theophany of his being. Est descendue. Descended. En nous suivons-le. Bible says, let us follow him. Voudrez-vous le suivre ce soir? Do you want to follow him tonight? Pendant quelques minutes? For a few minutes. Voyons où il est allé. Let's see where he goes to. 78 dit? 78 dit. Juste en dessous des régions des êtres mortels. Just below the region of human being.
se trouve le domaine de la puissance des démons. Be found the domain of power of demons. En dessous, juste au-dessus de cela, just above it, il y a des âmes des injustes. They are souls of unrighteousness. En dessous de cela se trouve le domaine même de Satan, l'enfer. Below that, you find the domain of Satan, that is hell. Puis juste au-dessus de nous, just below, above us, il y a le Saint-Esprit. There is the Holy Ghost. Ensuite, sous l'autel, then on the altar, se trouvent les âmes des justes. You find the souls of righteous. Ensuite, Dieu lui-même. Above it, God himself. L'un va vers le bas. One go below. L'autre va vers le haut. The other one goes above. Ces deux esprits sont ici sur la terre. Those two spirits are here on earth. Qui peut dire un grand amen? Influençant les gens de la terre. Influencing people of the earth. Et quand Jésus est mort, and when Jesus died, il est allé en bas. He went below. Dites amen. Say amen. Je peux le voir ce vendredi après-midi. I can see him this Friday afternoon. Après sa mort, after his death, il frappe à la porte de la région des perdus. He knocked at the door of the region of the lost. Suivons-le un instant. Let us follow him for a while. La porte s'ouvre. The door got open. Il y avait des femmes. There were women. Des hommes. Men. Des jeunes filles. Young men. Des personnes âgées. Old men. Tous ensemble. All together. Dans cet endroit hideux. In that hurtful place. Appelé la prison des âmes perdues. Hurtful place called the prison of lost soul. Dans 80 ici, Frère Branham raconte comment il a visité ça quand il avait 14 ans. In paragraph 80, Frère Branham relate how he visited that place when he was 14 years. En 1923. In 1923. 94. 94. Alors, Enoch approcha. Now, Enoch came close. Je l'ai vu venir avec ses myriades de saints. I've seen him coming with thousands of saints. On vous avait dit que Enoch était enlevé, il est parti au ciel. We told, they've told you that Enoch was raptured, went to heaven. C'est pas vrai. It's not true. L'enlèvement d'Enoch ne consistait pas d'aller au ciel. The rapture of Enoch was not to go to heaven. Il était là dans la partie appelée paradis. He was into a part called paradise. Les saints de l'Ancien Testament, the saints of the Old Testament, frère non-enseigne, étaient là dans la tente. They were there waiting. Certainement, for sure, étant sous l'expiation par le sang, being under the atonement of the blood, ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. They couldn't come into God's presence, du ciel, of heaven, parce que le sang de bouc et de brebis, because the blood of goat and sheep, ne pouvait pas ôter le péché. Couldn't remove the sin. Qui peut dire amen? Who can say amen? Laissez-moi tout lire après on va. Let me just read everything. Parce que vous pouvez comprendre que c'est pas moi, c'est Frère Branham. Because you need to understand, it's not me. It's Brother Branham. Dans la prédication, le puissant conquérant. In the spoken word, mighty conqueror. Prêché le 10 janvier 58. Preach the 10th January 58. Branham raconte comment après le séjour des morts. Branham relates after the death. Il ouvre le paradis. He opened paradise. Là où il y avait tous les saints de l'Ancien Testament. Where all the saints of the Old Testament. Écoutez ce que Branham dit. Listen what Branham says. C'est très important. Oh, it's so important. Paragraphe 20. Paragraph 20. L'homme de Dieu dit. The man of God said, chacun le voyait, each one saw him, sous la forme dans laquelle il l'avait prêché. Each one saw him, under the form he was preached unto them. J'ai amené cette citation ici. I brought this quotation. Parce que vous m'accusez de doctrine. Because you accuse me of doctrine. Sur la forme que vous devez prêcher. Under the form you've been preached for. Branham dit ici, mes amis. Paul I'm saying, chacun le voyait. Each one of them saw him.
dans la forme. Under the form. Frère Brian, la forme. Voilà Brian, de forme. Laquelle il avait prêché. Each one saw him under the form he's been preached. Oh! Oh! Quand sera-t-il quand nous le verrons? What will happen when we see him? Comme la robe de Sharon. Yes. The robe of Sharon. Le lit de la vallée. The lit of the valley. Le plus beau d'entre 10 000. The greatest among 10,000. Pour mon âme. For my soul. Que sera-t-il? Who will it be? L'alpha et l'oméga. The alpha and omega. Le commencement et la fin. The beginning of the end. La racine et le rejeton de David. The root offering of David. L'étoile du matin. The morning star. Est-ce que les croyants vous êtes avec moi? Believers, are you with me? Autrefois on prêchait les mêmes choses avec eux. At that time we preach same things like them. Mais quand on monte très haut, but where we climb higher, ils ne peuvent plus voir. They can no longer see. Autrefois l'aigle et le vautour, long ago, the eagle and the vulture étaient des amis. They were friends. Ils prêchaient la même chose. They were preaching the same way. Un jour l'aigle a dit montons un peu. Then one day the eagle said, let ils sont montés très haut. They fly so high. Brandabi, les firmaments ont pimenté les yeux du vautour. Brandabi say, the eyes of the cloud start to make itches. Il ne peut plus voir. The eyes of the vulture, they could no longer see. Brandabi, il est descendu. Then Brandabi say, he came down. Sur un poteau téléphonique. On a telephone line. Pour chercher un cadavre du lapin. To seek for a dead body of a rabbit. Madame, le cadavre du lapin de Pâques. Bible say a dead body of a rabbit of Easter. Et ils sont là. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Have you heard? Mais l'aigle, but the eagle, quand il monte très haut, as he fly higher, il a le full vision. He's got full vision. Et l'aigle ne se nourrit pas de lapin pourri. And an eagle doesn't fit a rotten. Il ne prêche pas vendredi saint de l'histoire. He doesn't preach Good Friday of history. Il ne prêche pas ensevelissement de l'histoire. He doesn't preach burial of history. Il prêche ça autant. He preaches in present tense. Est-ce que êtes-vous les aigles? Are you eagles? Qu'est-ce que Branham a dit? What did Branham say? Chacun d'entre eux, each one of them, voyait la même personne. They could see the same person, mais dans des formes différentes. But under different forms. Et qu'en sera-t-il de nous? And what will be our case? Quelle sera sa forme? What will be his form? En ce dernier jour. In this last day. Parce que mes amis. Because my friends. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. From Genesis to Revelation. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Je ne vous sens pas. I don't feel you. Je sens de retourner en Bandaga. I feel like going back in my village. Ou au Zoé par exemple. Or to Zoé. Là où les gens reçoivent ces choses. Where people can welcome this. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. From Genesis to Revelation. Il ne s'agit pas de deux personnes. It's not about two people. Il s'agit d'une seule personne. It's about one person. Dieu Elohim et Christ. God Elohim Christ. Il est le même. He's the same. Hier, yesterday, aujourd'hui, today, et dans les derniers jours. And in the last day. C'est toujours lui. Still him. Mais il change de forme. But he change form. Il change le costume. He change suits. Il change les formes. He change forms. Les élus doivent le reconnaître. The elect should recognize him. Et prêcher. And preach. La forme de leur temps. The form of the time. The elect must recognize him and preach the form of their time. Je m'en fous des incrédules. I don't care unbelievers. Laissez-moi déjà bombarder ça avant que j'entre. Allow me to bomb it before to go into it. Je suis venu fêter l'ensevelissement. I've come to rejoice the burial. Cette forme, this form,
de Galilée, of Galilee. C'était la forme au temps de Pierre. It was the form in the time of Peter. Ce n'est pas la forme aujourd'hui. It's not my form today. Je parle de forme. I'm talking about the form. C'est la forme. This au temps form de Pierre, in the time of Peter. N'était pas la forme devant Abraham. It was not the same form in front of Abraham. Cette forme, this form, au temps de Jésus, in the time of Jesus, de Pierre, time of Peter, n'était pas la forme au temps de Daniel. It was not the same form in the time of Daniel, ni Ézéchiel, neither in the day of Ezekiel, ni Salomon, neither in the day of ni Salomon, neither in the day of Enoch, ni Noé, neither in the day of Noah. Mes amis, my friends, les vrais élus, the true elect, reconnaissent Dieu, recognize God. Peu importe comment il se cache, no matter how he's hiding himself, parce que, because ils ne voient pas la forme, they don't see the form, mais ils voient les caractéristiques, they see the characteristics. Alors soyez prêts. Then be ready. Quand on va arriver dans la forme de notre jour, when we'll reach the form of our day. Si tu ne crois pas ça, if you don't believe it, tu ne crois pas son ensevelissement, you don't believe his burial, et je vais te dire que tu es pécheur, I'll tell you, you are a sinner. Parce que son ensevelissement, because his burial, c'était pour amener au loin nos péchés. It was to bring far our sin. Quand tu reconnais sa forme, when you recognize his form, tes péchés sont ensevelis. Your sin are buried. Qui peut dire un grand amen? Who can say? Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Dying, living, dying, buried, and resurrected. Branham dit dans 37. Branham saying, paragraph 35. Laissez-moi tout lire et puis on va entrer au fini. Allow me to read everything, then we go into it. Quand quelque chose est enseveli, when 37. Something is buried, c'est caché, is hidden, c'est hors de vue, outside of the sight. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Buried, he brought our sin far. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. God can no longer see our sin. Parce qu'ils sont ensevelis. Because they are buried. Je vais vous prouver aujourd'hui que les frères ne sont pas des frères. I'll prove you today, brothers actually are not brothers. Là où Dieu est aveugle, alléluia. Where God is blind, Dieu, God, ne voit rien, see nothing. Vous voyez quelque chose? You see something. Alors tu n'es que Satan. Then you are only Satan. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés. God can no longer see our sin. Parce qu'ils sont ensevelis. Because they are buried. Où? Where? Dans la mer de l'oubli. Into the sea of forgetfulness. Pensez une fois sur la mer de l'oubli. Just think on the sea of forgetfulness. Dieu ne peut plus son souvenir. God can no longer remember it. Beaucoup ici s'en souviennent. Many are still remember. Ils se souviennent de ma soumounangai. They remember my sin. Dieu ne peut plus son souvenir. God can no longer remember. Ta mémoire est plus que Dieu. It means that your memory are greater than the one of God. Ils sont morts. They are dead. Il n'est même plus possible de se les rappeler. There's no even way to even remember it. Mais nous on se rappelle. By us we remember. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. They've gone out from God's memory. Il était aussi dans cet ensevelissement. He was in that burial. Il était représenté dans l'Ancien Testament. He was represented in the Old Il avait Testament. Un sacrifice d'expiation. He did atonement. À la purification du sanctuaire. Through the purification of sanctuary. Il y avait deux boucs. There were two goats. Comprenez. Understand. Un bouc qui était tué. One goat was killed. Et l'autre bouc. Another goat. Le péché qu'on avait mis sur le bouc mort. The sin that was put on the dead goat. On le prenait, on le met sur le bouc vivant. Take it, put on the living goat. Rappelez-vous que. Remember. Jésus était une brebis.
Jesus was a sheep. Il était un agneau. He was a lamb. Mais dans ce cas-ci, but in this case, de son ensevelissement, about burial, il devint un bouc. He became a goat. Il était justice parce qu'il était Dieu. He is the God of righteousness because he's God. Mais il devint un bouc. He became a goat. Il devint péché. He had to sin. Afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. So that he should be the sacrifice of atonement for you and for me. D'une brebis à un bouc. From a sheep to a goat. Et Jésus était représenté dans ces deux animaux. And Jesus was represented in those two animals. Dans ces deux boucs. Those two goats. Le premier mourait. The first one died. Il mourait pour servir l'expiation. He will die to serve the atonement. Et le péché provenant de l'expiation était mis sur le second. And the sin that was in the atonement was put on the second. Sur one. Le bouc émissaire. On the living goat. Le bouc émissaire prenait les péchés du peuple. The living goat will take the sin of people. S'en aller loin dans le désert. We go far into the wilderness. Portant les péchés du peuple. Carrying on the sin of the people. Qu'est-ce? What was it? C'était la mort. It was death. Et l'ensevelissement. And the burial. De notre Seigneur Jésus. Of our Lord Jesus. En mourant. By dying. Vivant, il m'a aimé. Living, he loved me. En mourant. Dying. Il m'a sauvé. He saved me. Enseveli. Burial. Il emporta mes péchés au loin. Took my sin far away. Il a pris sur lui. He took on him. Sur lui-même. On himself. Les péchés des gens. The sin of people. Et les a emportés jusqu'au fin fond du Hades. And he brought it up to the bottom of the Hades. Il était le sacrifice d'expiation. He was the sacrifice of atonement. Il avait. He had. Voyez-vous? You see. Il ne peut plus se souvenir. He can no longer remember. Il est mort pour eux. He died for them. Et il a emporté nos péchés au loin. He brought our sin, afar off. Si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. So, in such a way, God can no longer see it. Quand il pensez-y. Bible says, just think on it. Oh, l'église. Oh, the church. L'église a de quoi crier alléluia. The church has something to shout hallelujah. Pour un tel sauveur. For such savior. 41, nos péchés. 42, our sins. 41, nos péchés. 41, our sins. Sont non seulement pardonnés. Our sins are not only forgiven, mais aussi enseveli, but also buried, dans la mer de l'oubli, into the sea of forgetfulness, pour ne plus jamais revenir à la mémoire, so that they should no longer come in back to a memory, enseveli, buried. Il emporta nos péchés du hors de portée du regard de Dieu. The sin away, far away from the hand reach of God. Ils sont paralysés. They are paralyzed. Ils sont divorcés. They are divorced. Ils sont repudiés. They have been rejected. Dieu ne s'en souvient plus. God no longer remember. Combien l'église devrait se réjouir ce matin? How much the church should rejoice this morning? De savoir qu'il ne se souvient plus jamais de nos péchés? To know. Oh, moi je me réjouis, frère Banane. To know that. He's no longer remember our sin. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. Ils sont mis dans la mer de l'oubli. They are put into the sea of forgetfulness. Dans la tombe. Into the tomb. Au-delà de toute résurrection. Above all resurrection. Ils sont morts pour toujours. They are dead forever. Et oubliés. Forgotten. Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais produits. It's like it never happened. En mourant, dying, il m'a sauvé. He saved me. Mais enseveli. Buried. Il emporta mes péchés au loin. He took my sin afar off. Il les a emportés tellement loin. He brought them so far. Tellement loin. So far. Qu'ils sont allés dans la mer de l'oubli. It went into the sea
see your forgetfulness. Oh, oh. Nous savons que ces choses, we know these things, sont certainement crues. They are so believed, au milieu de nous, in our midst, et qu'elles sont très certainement la vérité. And they are so sure of the truth. Ces choses sont la vérité de Dieu. These things are the truth of God. Toutes ces grandes choses étaient au-delà de ce que peut exprimer l'être humain. It's beyond what a human being can explain. Jamais nous ne saurons comment exprimer notre reconnaissance. Never will know how to express our gratefulness pour de telles choses. For such things. Oh, acclamons le Seigneur. Oh, let us clap to the Lord. Remarquez ici, mes amis. Notice ici, my friend. Il y a un grand mystère. There are a great mystery sur son ensevelissement. On his burial. Quand il est mort à la croix le vendredi, when he died the cross Friday, l'esprit est parti au ciel à Dieu. The spirit went back to God. Le corps dans la tombe d'Arimathée. The body into the tomb of Joseph d'Arimathée. Mais lui dans son âme. But him, by with his soul. Il accomplissait le mystère de l'ensevelissement. He was fulfilling the mystery of burial. Pour apporter au loin nos péchés. To bring far off our sin. Le vendredi quand il a été crucifié, Friday when he was crucified, son corps, his body, est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Était l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nos vies. Was the lamb of God that takes the sins of our life. L'agneau expiatoire. The atoned lamb. Mais quand il est mort, sa théophanie, when he died, his theophany, est devenu le bouc Azazel. Became the goat. Le bouc émissaire. The living court, pour amener nos péchés au loin, to bring far off our sin. C'est un grand mystère, is a great mystery, qui était contenu dans le sceau, which was contained into a seal, dont le septième ange devait révéler, which the seven angels had to reveal. So nous ne faisons pas des réunions de Pâques comme les pentecôtistes. That's why we don't have this Easter meeting like Pentecost. Ce n'est pas les mêmes réunions. They are not the same meetings. Oh, amen. Easter. Ce n'est pas les mêmes. No. These are not the same Easter. Ici, il y a de grands mystères. Here, we have great mystery. Que Dieu a révélé. That God revealed. Mon ami, que l'être humain ne pouvait pas penser à ça. Bible says, human being couldn't think on it. Ça nous amène à crier alléluia. It brings us to shout alléluia. Ça fait de nous des fous de Jésus. It makes us to become made of Jesus. Ces choses-là sont certainement la vérité. Because these things are for sure the truth. Ce n'est pas crié au milieu des pentecôtistes. It's not believed among Pentecostals. Mais c'est crié au milieu de l'épouse. But it's only believed in the midst of the bride. Et on le croit par révélation. And we believe it by revelation. Moi, je suis venu ici fêter. Yes. That's why I've come to rejoice. L'ensevelissement. The burial. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Remarquez. Notice. Frère Branham dit. Brother Branham say. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Nous vivons ici dans ce monde. We live over there, here. Ici, j'ai mis, il y a les continents ici. Where I've put the light, there are continents. Là où nous vivons. Parallèle. There is a parallel dimension. Dimension, which is the fourth dimension, dont la science a pénétré, which science discover. Il y a des voix qui passent ici. There are voices crossing here. Il y a des images qui passent ici. There are images crossing here. Mais je ne peux pas les capter par mes yeux. But I cannot see it with my human eyes. Par mes cinq sens du corps. Neither with my five senses of the mais body. Mais si je mets la radio ici, but if I plug et radio here, je peux écouter la voix de Félix Tshisekedi là-bas. I can listen to the voice of Ramaphosa. Si je mets la télévision ici, if I put TV here, je peux voir les images en Amérique là-bas. I can see the picture in c'est America. Là où il y a les téléphones, tout ça. That's where you find phones. C'est la quatrième dimension. That's what phone, TV. C'est une dimension parallèle à toutes les dimensions. Is in a fourth dimension, is parallel. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you will say big amen. Hey, now, quand on monte en haut,
If we go a little bit above, ici nous avons la ligne qui sépare la mortalité et l'immortalité. Here we've got a line separating mortality with immortality. C'est là où nous voyons les songes et les cauchemars. That's where we see dreams and nightmares. C'est là le monde des comas. That's where there's the war of fighting. Quand quelqu'un est en coma, sorry, of ICU. Il est ici dans la ligne ici de la séparation. When a person goes into the ICU, il n'a pas traversé. He haven't crossed yet. Il n'est pas aussi revenu. Neither is not below. Est-ce que c'est merveilleux, n'est-ce pas? It's wonderful. C'est ça le message de Frère Branham. This is the message of Brother Branham. Et remarquez quand vous traversez ça. Notice, if you cross it, c'est qu'on appelle les routes de la vie mortelle. What we call the wheels of mortal life. Quand vous montez, when you go a little bit higher, il y a ce qu'on appelle le premier ciel. They are what we call the first heaven. C'est là où partent les âmes des justes. That's where goes the souls of righteous. C'est que Frère Branham nous a dit la sixième dimension. What Brother Branham told us, the sixth dimension. Paul appelle ça premier ciel. Paul called it first heaven. Le premier ciel a beaucoup de quartiers. The first heaven got many areas. Si tu pars aujourd'hui, if you go today, tu ne verras pas Paul. You won't see Paul. Chaque messager, each messenger, est avec son groupe. He is with his group. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Mais dites un grand amen. Say big amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Le ciel que tu iras là. There are many things to c'est say. Là où Frère Branham est parti en 1960. That went into Brother Branham went in 1960. Quand il est entré, when he entered over there, dans la partie du septième âge, into the area of the seventh age, tous les saints ont crié. All the saints shouted, notre précieux frère, our precious brother, si tu n'étais pas venu, if you never came, nous ne serions pas ici. We could have never been here. Branham dit, je vous ai tous vu là-bas. Branham said, I've seen all of you over there. Parce que la théophanie vit avant que tu viennes sur la terre. Alléluia. Because the theophany lives before even you come on earth. Qui peut dire un grand amen à cela? Who can say big amen? Remarquez, notice, quand tu montes très haut, when you go, Branham avait demandé où est Jésus? Getting there, Branham asked, where is Jesus? On lui a dit Jésus est en haut. They told him is higher. Quand tu meurs aujourd'hui, tu ne vois pas Jésus. When you die today, you won't see Jesus. C'est qu'il est dit, je vous mente. That's what other church lied to you. Dites un grand amen. Say big amen. Quand tu montes au-dessus, when you go above, tu trouves l'horizon des anges. You find the region of angels. C'est ce qu'on appelle le pan de sa robe. What we call the garment of his robe. Il y a des catégories, les gens d'orchestre, les gens de ceci, les musiciens, les archanges, les chérubins, les séraphins. There are categories of angels, seraphim. Different angels. Et il y a une ligne de l'éternité. Là, there's a line of eternity. Qui sépare l'horizon des anges et la septième qui est le trône. We separate the region of angels with the seventh one, which is the throne. C'est là où Dieu vit. That's where God lives. Ce qu'on appelle le troisième ciel. What we call the third heaven. Paul est parti là-bas. Paul went into it. Il dit, il ne sait pas quoi expliquer. He said he was speechless. Pendant que nous vivons ici, why we living here? Vous êtes là? Are you there? Il y a le monde d'en haut qui nous influence. There is the world of above influencing us. Il y a aussi le monde d'en bas. There also the world of below. Comme Satan imite Dieu, as Satan imitating God. Quand il a fait la rébellion au ciel, when he was rebellion in heaven, et Michael l'a chassé, Michael chasing, il est descendu, il est tombé sur la terre, he descended, he fell on earth. Branham il est tombé en Inde. Branham said he fell in India. Alors il a commencé à se propager, and he started to spread himself. Il s'incarne dans le serpent ancien, he was incarnated in the old serpent, pour séduire Adam et Eve, to deceive Adam and Eve. Est-ce que vous écoutez ça? Do you listen to this? Lui maintenant voulait imiter Dieu. He wanted to imitate God. Ce qu'il avait vu là-bas. What he saw over there.
comme notre monde n'est pas son monde à lui, as our world is not his, il a imité le monde de Dieu. He imitated the word of God. Quand vous descendez en bas, when you go below, il y a le séjour des morts. You find hell. Là où quand tu meurs sans Dieu, tu pars là-bas. Where? When you die without knowing God, you go below there. C'est pourquoi ce qui nous sépare avec eux, c'est la ligne ici. That's why what separates us with those are below is that line. C'est la ligne des fantômes. Is the line of phantom of ghost. Quand tu attends quelqu'un est mort, when you heard somebody's dead, oh, on l'a vu là-bas, oh, we saw him here, we saw him there. Non, il est perdu. No, you should know that person is lost. Son âme est en train de se tourmenter. His soul is wandering. Un saint se repose. A saint, il reste. Quand je dis reposer, c'est pas le sommeil de l'âme. Non. When I'm talking about resting, it's not the sleep of the soul. No. Est-ce que vous écoutez ça? Do you listen to this? Remarquez. Notice. Ici, here, c'est le séjour des morts. Is the region of the day of the lost. Ce qu'on appelle le deuxième monde par les gens du monde. What we call the second world by this quand world. Quand tu descends encore, when you go a little bit below, là où se trouvent les démons, you find the region of demons. Ce sont les anges de Satan. Those are angels from et Satan. Et plus bas ici, le hell. Little bit down, hey. C'est là où se trouve Lucifer lui-même. That where Lucifer. C'est ça la trinité de Satan. This is the trinity of Satan. Et il manifeste ça. And is manifesting it par la mort. Through death, le séjour des morts. Hell et la tombe. And tomb. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Je vais aller terminer maintenant. I'll finish now. Remarque. Notice. Frère Branham. Brother Branham, quand il avait 14 ans, when he was 14 years, il ne voulait pas servir Dieu. He didn't want to serve God. Par l'accident de chasse, with accident on l'a tué et son sang coulait. En 1923, he was bleeding. In 1923, il a senti qu'il tombait. He felt that he was falling. Et il est arrivé là-bas. And he reached. Papa n'est pas là-bas. Maman. He shot dead. He thought he was not there. Il a trouvé des femmes avec des crayons ici. He found women. Des chats. He found women with makeup, lipstick, everything like cats screaming. Il dit c'est un endroit où je ne veux même pas que mon ennemi parte. He said it's a place whereby I don't want even my worst enemy to go over there. Dit un grand amen. Say big amen. Frère Branham dit. Branham say. Il a dit, si tu me fais revenir, je te servirai. He said, God, if you bring me back on earth, I will serve you. Quand il est revenu, il a crié la parole. When he came back on earth, he believed the word. Tu vois, lui, il a visité le monde là. You see, he visited that world. Pour qu'il nous parle. So that he should speak to us. Lui, c'est un vrai témoin. He is a true witness. Lui n'est pas comme un quinoa. Him is not somebody from Jobek. Un quinoa n'a jamais été à Djobourg. Il te dit voyage à Djobourg, il y a le ville. You know, in Congo, somebody never been in Jobek, but he's speaking about Jobek. Tu vois quand tu arrives à Paris. You see, if you reach in Jobek, à côté des Champs-Élysées. Il raconte les choses qu'il n'a pas vues. He relates something he never saw in his eyes. Tous les pasteurs là sont comme des quinois. All those pastors. As la Congolese. Mais Branham est venu avec le témoignage d'un véritable témoin. Branham came with a testimony of a true witness. Il a visité l'enfer. He visited hell. Et il a dit faites tout. He said to everything. De ne jamais aller là-bas. Don't never go. Et ce soir en tant que son auxiliaire. And tonight be his auxiliary. Je souhaite chacun de vous de ne jamais aller là-bas. I wish all of you never to go below there. Et vous n'irez jamais là-bas. And you will never go there. Pourquoi, pasteur? Why, pastor? Parce que vous croyez la parole. Because you believe the word. Pour parler du ciel, to speak about heaven, lui l'a visité ça. He visited it. Il dit quand je suis entré, he said when he entered into heaven, j'étais tout jeune. He was so young. Même ma fille m'a dit que papa. Even my daughter told me, daddy. Je dis mais je peux pas être ton père. He said what? Elle était morte à 3 mois. The mais là-bas on a le même âge.
But over there, they had the same age. Dans les corps théophaniques. In theophanic body. Là-bas, il y a pas d'aujourd'hui ou de demain. Over there, there's not yesterday, there's no tomorrow. Il y a pas de fatigue. There's no tiredness. Il y a pas de dormir là-bas. There's no sleeping. Il y a pas de voiture là-bas. There's no cars. Il y a pas de maison. There's no houses. Où est ma belle-mère, maman Bombo? Where's my mother-in-law, maman Bombo? Maman Bombo, tu écoutes ça, non? Maman Bombo, do you listen to this? C'est pas ce que le papa là nous a dit à Rigini un jour. It's not what that he told us. J'étais là, j'ai ri, je suis parti voir les pasteurs. Bon, j'ai dit que mais regarde ce que les vieux là. I was there, I laughed, I went to see the pastor. Tu m'as dit faut corriger ça. So how come that brother can say that in the pulpit? Nous irons au ciel. Et là, le pasteur said, no, we'll go to heaven. Nous avons des maisons là-bas. We've got houses. C'est plus que les maisons de Gombe. It's more than the houses in four ways. Regarde les gens comme ça. Look people like that. Frère Bambi, le ciel, il n'y a pas de maison brique. But the Bible says in heaven, there is no house making brick. Quand Jésus a dit, when Jesus said, je vais vous préparer des maisons, I go to prepare a place for you. C'est-à-dire les corps. It means bodies. Bodies. Les corps, ce sont des maisons. Bodies are houses. Tu vois, Paul a saisi ça. That's what Paul understood. Il dit, si c'était où nous habitons est détruit. He say, if this dwelling place is destroyed, nous avons un autre. We've got another one. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que somebody say amen. C'est le monde de théophanie. Is the world of theophany. Le corps parole. Body word. Qui peut dire amen? Ou que c'est amen? Ça ne mange pas. That body do not eat. Il n'y a pas de sexe là-bas. There's no sex over there. Dites un grand amen. Ou que c'est amen. Branham est parti, il est revenu. Branham went there and came back here again. Remarquez. Notice. Avant la mort de Jésus, before the death of Jesus, tous les saints de l'Ancien Testament, all the saints from the Old Testament, quand ils mouraient, where they were dying, personne ne montait au ciel. No one could go to heaven. Parce que le sang de bouc et de taureau, because the blood of goat and lamb, ne pouvait pas pardonner leur péché. Could not forgive their sin. Ça couvrait. It only covered. Et tous descendaient ici. All of them went below here. Mais avant la mort de Jésus, but before the death of Jesus, le séjour des morts était divisé en deux. The region of lost was divided in two. Et ils se voyaient face à face. And they could meet, see one another face to avec face. Avec une ligne de séparation. But with a line separating people. C'est là où vous comprendrez. Then you understand. La Bible dit que quand Lazare le pauvre est mort, the Bible says, when Lazarus the beggar died, et le jeune homme riche est mort, and the young rich man le died, le jeune homme riche était de ce côté ici, dans le tourment. The young rich man was the other side to mountain. Lazare était de l'autre côté dans la félicité qu'on appelle paradis. Lazarus was the other side into Abraham's bosom called il paradise. Dit Lazare, même l'eau c'est les mêmes comme ça, Lazare. This one ask Lazarus just a drop of water with your finger, a drop of water. Il y a pas de communion. There's no fellowship. Il dit Lazare. He said Lazarus. Va dire à mes frères ici là. Go and tell my brother over there. De croire la parole. To believe the word. Il dit que on ne peut pas aller là-bas. They say we can no longer go over there. Qu'est-ce qu'il a répondu? What answer him? Il dit que ils ont Moïse. He said they've got Moses. Et les prophètes. And prophets. Dites amen. Say amen. Un mort ne revient pas. A dead don't come back. Pour vous prêcher. To preach to you. Vous avez Branham. You've got Branham. Et le docteur qui enseigne. Et the teacher teaching you. C'est ici où notre destinée se fait. It's here where our destination. C'est pourquoi avant la mort de Jésus. That's why after the death of Jesus. Je vais être profond. I'll be deep. Un magicien pouvait invoquer même un saint. Witchcraft could even call upon a parce que tous étaient dans la prison de Satan. Because all of them. They were still into Satan prison. Mais ils étaient dans la salle d'attente. But other group were in a waiting room. Et Satan avait les clés ici. And Satan still hold the key. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you will say amen. Dites un grand amen. Say big amen. C'est pourquoi? That's why. Quand Jésus a crié à la croix. When Jesus shouted at the cross. La Bible dit.
The Bible says, les morts en Christ ressuscitèrent. The dead in Christ rose. Mais, but, apparu le dimanche. They appear Sunday. C'est ça le mystère du vendredi et dimanche. This is the mystery of Friday and Sunday. Le vendredi, Friday, la résurrection est potentielle. The resurrection is potential. Ils ont entendu la voix du parfait. They heard the voice of the perfect one. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Why they never came out? Voilà, une écriture les empêchait. What I'm saying, there was still a scripture stopping them. S'ils sortent le vendredi, if they come out Friday, Jésus ne sera pas le premier né d'entre les morts. Jesus will be the first among the dead. Ils l'ont entendu, mais ils l'attendent là-bas. They were waiting for him over there. C'est pourquoi c'est ça, le 1963. That's why, in 1963, le septième son, the seventh seal. Tous les théophanies ont déjà écouté le parfait. All the theophany have heard the voice. Ils sont déjà ressuscités. They are already resurrected. Potentiellement. Potentially. Parce que la Bible avait promis. Because the Bible promised. L'heure vient. The hour comes. Où les morts. Where the dead. Entendront la voix du Fils de l'homme. We hear the voice of the Solomon. Et le Fils de l'homme. And the Solomon. C'est Dieu dans la chair humaine. Is God in human flesh. Quand il tourne le dos. When he turns his back. Qui pique la main. Who can say amen. Mais nous disons. We say. Que les morts ne sont pas encore revenus ici. The dead are not yet returned here. Ça c'est ce qui est devant nous. That's what ahead of us. Qui peut dire amen? Who can say amen? Est-ce que vous écoutez Phoenix? Do you listen to Phoenix? Vous serez enseigné de la parole. You will be taught of the word. Remarquez. Notice. Aujourd'hui, today, quand Jésus est mort, when Jesus died, entrons maintenant. Let us go into. Le corps part de la tombe. The body went into the tomb. Son esprit monte au ciel. His spirit went to heaven. Lui dans sa théophanie. Him from his theophany. C'est ça l'ensevelissement. That is the burial. Il arrive ici. He reached over there. Il ouvre la porte. He opened the door. Il trouve depuis Caïn. He finds from Caïn. Pharaon. Pharaoh. Tout ce monde-là. All those people. Et les gens au temps de Noé. And people in the time of Noah. Vous voulez savoir la dernière personne? Do you want to see the last person? Mais dis-moi, docteur, c'est qui? Ask a doctor, teacher, who's he? Le voleur qui était à gauche. The thief we watch in the left. Jésus leur prêche. Jesus preached to them. Pas pour les sauver. Not to save them. Mais pour les condamner. But to condemn them. Pourquoi tu n'as pas crié Noé? Why you didn't believe Pourquoi Noah? Tu n'as pas crié Daniel? Why you didn't believe Daniel? Pourquoi toi le voleur tu n'as pas crié à ton ami? Why you the thief never believe your friend? Il les a condamnés. He condemned them. Branham dit ça, il a fait ça toute la nuit de vendredi. Branham said he did it the entire night of Friday. Est-ce que vous écoutez la précision? Do you listen to this? Et le samedi matin. And Saturday morning. Il descend. He came down dans la région des démons. In the region of demons. Les anges qui avaient écouté Lucifer. Angels, those who have listened to Lucifer. Il les condamne encore. He condemned them again. Tous les démons de l'orgueil. All demons of pride. Il les condamne. He condemned them. Frère Branham dit. Voilà, voilà, c'est. Vers 0 around midnight. Il descend. He went down. Parce que Branham dit. Because Branham say. Ah, il y a pas de temps. Ah, there's no more time. Quand on le crucifiait. When he was being crucified. Lucifer et les démons étaient entrés dans les caïphes et dans tous les soldats. Lucifer and the demon went to Ephesus and all soldiers. Quand il est mort. When he died. Lucifer croyait qu'il est comme Moïse, comme tout le monde. Those. They thought that he was like Moses, like any other people. Mon ami, il est parti comme une flèche. Bible say, he went like an arrow. Il dit, je l'attends ici, je l'ai eu. I'm waiting for him, I got him. Mais il ne savait pas le mystère. He never knew the mystery. Tu vois, quand les démons les ont quittés, that's why, when demons left them, les soldats ont dit,
The soldier said, oh, il était un fils de Dieu. Oh, surely he was a son of God. Mais c'est trop tard. It was too late. Ce sont les démons de Johannesburg. Those are demons of Johannesburg. Quand on est encore vivant, when we still alive, ils ne veulent pas reconnaître. They don't want to recognize. Bon, je ne mourrai pas aussi. I won't die. C'est vrai, non? It's true. Il faut reconnaître ton frère pendant qu'il est vivant. You must recognize your brother while he's still alive. Que ses frères c'est un enfant de Dieu. That this brother is a son of God. Est-ce que tu peux dire amen? Can you say amen? Salue un peu ton frère. Greet your brother. Dis-lui que tu es un enfant. So you are a son of God. You are a son of God. You are a daughter of God. Remarquez. Notice. Lucifer pensait qu'il est comme Moïse. Lucifer thought that he was like Moses. Parce qu'il les a écrasés par la mort. Because he got all of them through death. Et Jésus arrive à 0h. And Jesus reached at midnight. Branham dit, Lucifer l'a dit, je t'ai eu. Branham said, Lucifer said, I got you. Il dit, tu ne sais pas. He said, you don't know. Je suis la semence de la femme. I am the seed of the woman. Il lui a donné un coup. He kicked him. Et il lui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. And took for him the key of death and hell. Oh, qui peut dire un grand amen à cela? Who can say big amen? Il a vaincu la mort. He overcame death. Il a vaincu le séjour des morts. He overcame hell. Il a vaincu la tombe. He overcame tomb. Et il a pris les clés là. He took the key. Cette connaissance là. That knowledge. De comment on meurt. Of how a human being died. Un jour, je vais vous enseigner comment on meurt. One day, I will teach you how people die. Frère Branham dit, voilà, voilà, c'est. Il commence à sortir. He start going out. Mais tout ce qu'il a fait là, all that he did, c'était l'ensevelissement. It was the burial. Il a amené tous nos péchés. He took all our sins à Satan. To beg to Satan. C'est toi qui les faisais faire ça. It's you that made them do it. C'est là où Branham va dire. That's where Branham would say. Un enfant de Dieu ne pêche pas. A son of God doesn't sin. Ce n'est pas toi. It's not you. C'est le diable. It's the devil. Or Satan. Satan. Jésus lui a tout remis. Jesus gave him back everything. Vous ne le croyez pas. You don't believe. Même ce que tu feras la semaine prochaine. Even what you do next week. Il a déjà enseveli. He already buried it. C'est jeté dans la mer de l'oubli. He's thrown into the sea of forgetfulness. Parce que ce qui t'amène à pécher. Because the thing that c'est pas you toi. Sin is not you. Un enfant de Dieu ne pêche pas. A son of God do not sin. Mais dites un grand amen. C'est big amen. Ah, là, il n'y a plus d'amen. Oh, there's no more amen. Mais mon sacre, le mec, ma cambo, ton dit ma kayango. Aoua. This is the things we believe here. Ce n'est pas vos enseignements. It's not your teaching. J'ai péché aujourd'hui. I sin today. Demain, il va encore me pardonner. Tomorrow, he'll forgive me again. Si tu connais l'ensevelissement, do you know the burial? Tout était sur le bouc Azazel. Everything was upon the coat. Pour amener ça où? To bring it where? Au loin. Far away. Ça ne revient plus. Paul said, it is not return. Pas seulement ça. Not only that. Il a ôté en nous-mêmes les désirs. Paul said, he even took away from us the desire. Aujourd'hui, je vais faire du mal à Satan. Today, I will hurt Satan. Et vous rentrerez chacun en train de danser dans sa voiture. And each one of you, you'll go home rejoicing. Depuis que tu es né, the, since you are born, tu n'as jamais péché. You never sin. Jamais. Never. Voilà dit pourquoi. Bible say why. L'origine du péché c'est l'âme. The origin of sin is the soul. Par son ensevelissement, through his burial, il enleva tous les désirs du péché dans les âmes des croyants. He took away all the origin of sin from the soul of the believers. Madame dit, ce qui pèse, c'est mon corps. Bible say, the thing that sin is my body. C'est une erreur dans mon corps. Is a mistake in my body. Ou dans mon esprit. Or my spirit. Mais dans mon âme. But in my soul. Ça ne pêche pas. But my soul does not sin. Est-ce que le péché
Mentir, ce n'est pas le péché. Lie is not sin. Le péché, sin, c'est l'incrédulité. Is unbelief. Les enfants de Dieu ne sont pas incrédules. The children of God are not unbelievers. Tout ce qui nous est arrivé, all that happened to us, où ça ne nous arrive, or what is happening, où ça nous arrivera, or what will happen. Voilà, ce n'est pas le péché. What I'm saying is not sin. Ce sont des erreurs du corps. Those are the mistakes. Paul a dit, that what Paul say, le bien que j'aimerais faire, good I would like to do, je n'arrive pas, I cannot do it, mais le mal je le fais, bad I do, le mal c'est dans mon corps, the bad is from qui my body, qui peut me libérer de ce corps, who can set me free from this body. Je prêche à l'assemblée des hommes sans péché, I preach on the congregation of people without sin. Now you go up to hell. You search. You take. Tu sors. You come out. Jusqu'à Jobu. Up to Johannesburg. Pour maintenir mes péchés. To show my sin. Not my sin. Parce que quand tu partiras, where you'll go, tu ne vas pas revenir. You will not return. Il n'y a que Branham qui fait les allers-retours. It's only Branham who can go and come back. Si tu veux chercher mes péchés, if you want to seek my sin, ose aller là-bas. Try. Satan va te dire, reste ici. Satan will tell you stay here. Il dit, reste. Satan will tell you, stay here. Why did you come to look here? Je suis venu chercher les péchés de Pasteur Zakola. I came to look for the sin of Pasteur Zakola. Il avait fait ça. He did this. Il a fait ça. He did this. Je suis venu chercher. I came to look for it. Tu es venu chercher ça? You came to look for it. Pour faire quoi? To do what? Pour l'accuser. To accuse him. Il dit l'accusateur de Zakola. The accuser of Zakola. Ce sont mes démons ici. Those are my demons. Alors toi, you, tu ne rentres plus. No longer go back. Reste ici. Say yes. Dites amen. Amen. L'ensevelissement. The burial. C'est un mystère qui aide l'église. Is a mystery helping the church. De ne pas regarder les erreurs de ton frère. Not to look to the mistake of your brother. Un frère ne pêche pas. A brother do not sin. Les erreurs, c'est le diable. The mistakes are the demon. Dites un grand amen. Just amen. Today you will know. Kendako luka masumu nangai. Go and search for my sin. Jésus est devenu bouc Azazel. Jesus became the living goat. Avec tous ses fardeaux. With all those burdens. Jusqu'en enfer. Up to hell. And you come to look for it here. Mais but it's not longer here. Awa, here, je ne pêche jamais. I don't sin. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Voilà l'ensevelissement. This is the burial. Nos péchés sont ensevelis. Our sin has been buried. Dans la main de l'oubli. Into the sea of forgetfulness. Even this father, Kalimbe, told me they are brought in a message. Papi, y a des frères dans les messages. Papi, they are brought in a message. Ils partent jusque dans la mer de l'oubli. They go up to the sea of forgetfulness. Today you are put in a corner. I like this one. Jesus took my sin. And throw it in the sea of forgiveness. Celui qui ne danse pas ne croit pas l'ensevelissement. Whosoever do not dance, he doesn't believe the voilà burial. Le rôle. This is the role. De son ensevelissement. The purpose of his burial. C'est pas merveilleux? Isn't wonderful? C'est pas de crier alléluia? It make you shout alléluia. Il a oublié papa et he forgot, Papa Edi. You don't forget, up to you. C'est la vie du maître qui compte. That's why it's the opinion of the master that counted. Il faut se voir comment Dieu te voit. You must see how God sees you. Mais dites un grand amen. Who can say amen?
Et quand il a fait ça, then when he did it, il a accompli le travail. He fulfilled the job. Et il commence à sortir. And he start going up. Branham dit arriver à 3 heures du matin. Branham say reaching 3 o'clock in the morning. Branham give him details. C'est quoi nous prions à 3 heures? That's why we pray at 3 o'clock in the morning. Frère Branham dit. Branham say. Il ouvre le paradis. He open the paradise. La partie là. That part. Frère Branham, les saints étaient en ligne. Bible says the saints were in line in the queue. Depuis Adam, from Adam, Eve, Cain n'était pas là. Cain was not in. Abel, Abel, Seth, Noé, Noah, Enoch, Abraham, Sarah, Sarah, Isaac, Abraham, Jacob, Rebecca, Jacob, Rebecca, Joseph, Joseph, David, David, Daniel, Daniel, Ezekiel, tout, jusqu'à all them, à Jean-Baptiste. Up to John the Baptist. Savez-vous le dernier? Do you know the last one? Le voleur à droite. The thief at the right hand. La même personne ouvre. The same person open. Mon ami, ils étaient en ligne. But I said they were in the queue in line. Maintenant on arrive. Now we're reaching. J'avais lu ça, non? I've read it. Chacun le regardait. Each one could see him. Selon la forme. According to the form qu'il avait prêché en son jour, that was preached in his day. Hallelujah! Hallelujah! Adam et Eve. Adam say Eve. Viens voir. Come and see. Celui qui descendait chaque soir. The one who used to come every evening. Eve appelle Abel. Eve come. Abel, viens voir. Abel, Abel, come and see. Hallelujah! C'est lui l'agneau que j'avais sacrifié. This the lamb I sacrifice. On appelle Noé. They call Noah. Noé dit, oh! Oh, c'est lui l'arche. This is the ark. On appelle Enoch. They call Enoch. Enoch dit, oh! Enoch aussi. C'est lui le myriade des myriades. He's the thousand of thousands. On appelle Abraham. They call Abraham. Abraham dit, oh! Abraham, so. C'est lui qui tire à la chair humaine. He's God in human flesh. Sarah, vient voir. Sarah, come and see. C'est lui que j'avais préparé la nourriture. He's the one. You cook food for on appelle Jacob. They call Jacob. Jacob dit maintenant. Jacob said, j'avais no. combattu avec lui toute la nuit. With him all night. On appelle Joseph. They call Joseph. Je, c'est lui la robe que je porte. Joseph say, is the robe on way. Appelle Moïse. They call Moses. Moïse dit que c'est lui le bûcher ardent. Moses is the burning bush. On appelle Joshua. They call Joshua. C'est lui le général que j'avais rencontré. Joseph is the general I met. On appelle David. They call David. David que c'est lui le roi des rois que j'avais. He's the king of kings I met. On appelle Salomon. They call Solomon. C'est lui le temple que j'avais construit. He's the temple I built. On appelle Daniel. They call Daniel. C'est lui la pierre. He's the stone. Qui était descendu de la montagne. From the mountain. Ça ne secoue aucune paix. We found the end of on appelle Ezekiel. They call Ezekiel. C'est lui le pneu. The wheels. Le roue à la roue. The wheels in the wheels. On appelle. They call Jean-Baptiste. John the Baptist. C'est lui l'agneau de Dieu. The Lamb of God. On appelle le voleur. They call the thief. Il dit c'est lui qui était né. He's the one who was naked. Chacun l'a reconnu. Each one recognized. Selon la forme. According to the form. De son jour. Of his day. Comment on va les reconnaître? How shall we recognize him? Quand on appelle Zakola, when they call Zakola, c'est lui, it's him, Dieu dans la chair humaine de Branham. God, in human flesh of Branham. C'est ça la forme. Is that is the form. La forme. The form. Que nous prêchons Jésus aujourd'hui. Preach Jesus today. Ce n'est pas celui-là. It's not this one. C'est le même Jésus. The same Jesus. Il a changé de forme. He changed the form. Dieu. God. Incarné. Incarnated. Dans la forme de calvitie. In the form of a bald dead man. Ce n'est pas fini. It's not finished. Comment il avait visité Jobu? How did he visit Jobek? C'est dans la forme de Zakola. Into the form of Zakola. Alléluia. C'est dans la forme de Dieu. So I preach under the form of God. Mon ami l'épouse. Paul said the bride. Et la dernière forme. Is the last form. Que Dieu a pris. That God has taken. Si les gens à Djobourg veulent être sauvés. If people in Djobourg want to be saved. Ils doivent prêcher Jésus. They must preach Jesus. Comme étant épouse. As the bride. Jésus dans la forme femme. Jesus in human woman form. Aujourd'hui. Today. Jésus. Jesus. Branham il est devenu un
amorphe. Bible say he became amorphe. Jésus noir. Jesus black. Jésus colored. Jesus colored. Jésus blanc. Jesus white. Pourquoi? Why? Les grains de blé qui étaient tombés en terre. The seed that fall in the ground. Quand ça s'est reproduit, when it's been reproduced, ça devient plusieurs. It becomes many seeds. Oh boy, offended. If you refuse, you sit. Tout pasteur, all pastor, qui ne prêche pas ça, who don't preach this, quitte son église. Leave his church. Ayez-vous parole. He does not the word. Parce que, because, est-ce que vous êtes là? Are you there? C'est en croyant la forme qu'il a prise. Yes, by believing the form he took in your day. Que vous reconnaissez, that you are recognizing votre expiation. Your atonement. Maintenant, je veux donner. Now, I will give. Yamano moni branama lobaki. That's what you say. You know, Branham say. Le message du septième ange. The message of the seventh angel. Appelle l'épouse. Call the bride. À sortir. To come out. De toutes les traditions. From all traditions. Pour se tourner. To be turned. Vers la véritable expiation. To the true atonement. Christ. Christ. La parole. The word. Fait de chair. Fait flesh. C'est ça, voir Dieu le Père. That is to see God the Father. Quand tu vois ça, when you see it, tes péchés sont ensevelis. Your sin has been buried. Dites amen. Say amen. C'est là où il sort. That's why it goes. Abraham. Branham. Il dit que le matin de la résurrection demain. He say, in the morning of resurrection, il est resté 40 jours. He stayed 40 days. Abraham et Sarah commençaient à visiter la ville. Abraham, Sarah started to visit Jerusalem. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Je vais maintenant terminer en vous disant ceci. I'll finish by saying this. Branham dit que Jésus, Branham said that Jesus, est mort à la croix. Died at the cross. Il a été enseveli. He was buried. Pas pour tout le monde. Not for everybody. Il est mort seulement pour son épouse. He died only for his bride. Let me read. He said. Dans le sceau de Pâques. The spoken word. The Easter seal. Oh, ma kamaba ni ko lobava kufa. This is the things he saying before to pass away. Ici, dans trois semaines, il va mourir. 3 weeks before he pass away. Non, en scène, le saut de Pâques. Easter seal. Quand Dieu a baissé le regard vers le calvaire, when God looked Calvary, il n'a pas seulement vu Jésus. He not only saw Jesus. Jésus, il est mort pas pour tout le monde. Jesus died not for everybody. Il est mort seulement. He died only pour son épouse. For his bride. Écoutez. Listen. Le corps. The body. Qui est l'église. Which is the church. Parole. The church word. L'église qui croit. The church that believes la parole de Dieu pour l'âge. The word of God for the age. Pas toutes les églises. Not all churches. L'église. The church qui croit that believes la parole. The word de l'âge. Of the age. En chaque âge. Each age a sa parole. Has his own et cette word. Parole. That word. Try in a form. Take a form. Praise God. Say amen to this word. My children, I'm preaching to the truth. These things I'm saying. Ce jour-là, je serai devant Frère Branham. That day, I will stand in front of Brother Branham. Et je vais commencer à vous faire entrer. I'll put you in. Branham, let them in. Why? They believe this word. Say big amen. You'll enter. Vous serez avec moi. You'll be with me. Que je lise encore. Let me read. Branham dit que. Branham say.
Ces écritures-là ne concernent quand vous croyez ça. Those scriptures, when you believe it, cela accomplit Romains. That fulfill Romans, qui dit, which say, Ere, blessed is l'homme à qui, the one whom Dieu ne compte pas, God do not impute sin, ses péchés. Blessed is the one God don't impute sin. Nasuka wana bobima boket. Let me stop here and we go. Il y a des gens, there are people, assis avec vous là, sitting with you. Yeah, him. Ata olakisi Yesu. Even though you show to God, to Jesus, il a fait ça. He did this. Ça. He did this. Ça. This. Ça. This. Nazo bana bino veri. I'm telling the truth. Vous savez, mais nazo mona. He will tell you, I don't see anything. Mais voici les preuves. This is the proof. Il dit que je ne vois rien. He will reply, I see nothing. Ngaite brana matea yango. Not me. Brana preach it. Nabaki barenyo nako ni kabino parole. I have stole you this meeting. I'll preach unto you the word. Même là tu es marié. Even when you are married. Kosakana kana mwasi naote. Don't play with your wife. If she believes these things, même si elle est insoumise, even though she's disobedient, Dieu ne voit pas ça. God doesn't see it. Oh, c'est la parole. Is the word? Oui. Yes. Abraham, quand il croyait ces choses, Abraham, when he believed these things, il a menti. He lied. A gagné balard. He took money. Sarah, he said, Sarah, say, you are my sister. A bendi balar. He took money. Dieu descend. God came down. Abimelech, tu es mort, tu es mort. Abimelech, you are dead, you are dead, you are dead. Mais je suis innocent, hein? I will not say them innocent. C'est lui qui m'avait menti. He deceived me. Prends sa femme. Take his wife. Ramen. Return her. Et s'il était. He's not finished. Toi, you, pour que je puisse te pardonner, for me to forgive you, va chez lui. Go to him. Il priera pour toi. He'll pray for you. Seigneur, Lord, c'est lui, non? But it's him. Non, lui, c'est mon serviteur. No, him is my servant. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Oh, these things. Oublions Jeffersonville. Let us forget Jeffersonville. Il y a des gens comme ça ici. There are people like that here. Ils sont là avec vous. With you. Dieu ne compte jamais. God doesn't look at. They sin even though you carry it in the box. Even you bring it in a tractor. God will tell you, I don't see anything. Today, there is no prayer. Today, you just believe. Natanga. Natanga. Do you want me to read? Do you want me to read? Yasuka. The last quotation. Branham dit. Branham say. Exposé page 270. Seven church ages, page 270. Avant de poursuivre. Before to care of. Faisons le point sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Let us check what we have seen so far. En premier lieu, first of all, nous savons en toute certitude. We know with all surety que le décès de Dieu est dans l'élection. That the plan of God is through election. Il en avait formé le dessein en lui-même. He made the plan in himself. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple. It was the will of God to raise up a people semblable à lui, like unto him, qui serait une épouse, that will be a bride. Elle a été choisie en lui. She was, hallelujah. She was chosen in him avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Elle était connue. She was foreknown. Et aimée d'avance. Beloved. Avant même d'être apparu sur cette terre. Before to appear in this earth. Au cours des âges. All along ages. Elle a été rachetée par son sang. She was redeemed by
by his blood. Et elle ne pourrait jamais passer en jugement. She will never go through judgment. Elle ne peut pas être jugée. She cannot be judged. Car aucun péché, because no sin, ne peut lui être imputé. Can be imputed unto her. Romains 4, 8. Romans 4. Erré. Blessed he. L'homme à qui? The one. Le Seigneur n'impute pas son péché. The Lord do not impute his sin. Il s'agit de qui? Who is about? De son épouse. His bride. Elle sera avec lui sur son trône de jugement. She will be with him on his throne of judgment. Pour juger le monde. To judge the world. Et même les anges. Even angels. Son nom. Her name. Chacun des membres. Each member. A été écrit dans une section du livre. Was written in one section of the book. De vie de l'agneau. Of the Lamb's Book of Lamb. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Et Abraham dit. Abraham said. Ces gens-là sont dans la nuée. Those people are in the cloud. Ils sont venus avec les juges. They came with the judge. Ensemble. Together. Les juges, c'est Jésus. The judge is Jesus. On appelle ça la nuée et les nuées. We call it the cloud or the clouds. Bon, nous tous, nous sommes là. Bon, c'est, all of us, we are there. Quand il s'assoit dans son trône. When he sits in his throne. L'homme Branham. The man Branham. Pour apporter le jugement. To bring judgment. Nous sommes assis en lui. We are sitting with nous him. Jugeons Zuma. We are judging Zuma. Nous jugeons la Phénicie. We are judging South Africa. Nous jugeons Lucifer. We are judging Lucifer. Et nos noms, our names, sont dans les livres de vie de l'agneau. They are in the Lamb's Book of Life. Voilà votre ensevelissement. This is your burial. Il y a des gens ici. There are people here. Allez dire aux voisins. Go tell the neighbor. Que l'ensevelissement, the burial, de Jésus, of Jesus, veut dire. It means. You see, me, my your neighbor. Ngai, me. Par l'ensevelissement. True burial. Jésus ne compte pas mes péchés. Jesus doesn't consider my sin. Cela veut dire n'a scandalisé binou. It means, let me stumble you. Voisin, token de me l'appelle. Neighbor, let us go drink castle. Okay, you take a glass, I take a glass. To melibi sotu ndengebo. We drink together. Mais pour moi, but for me, Dieu ne compte pas. God doesn't count. Mais pour toi, for you, c'est compté. It's been counted. Ah, il y a pas d'amen là. Oh, there's no amen. Vous ne croyez pas. You don't believe. Vous ne croyez pas. You don't believe. Frère Branham dit que Branham says, ces gens-là font partie. Those people are part of des gens que lui l'a aimé. Of people that he loved. Et que les gens qui l'ont aimé. Those who loved him. Parce que cette écriture là s'accomplit. Because that scripture has been fulfilled. Quand Dieu est dans son trône. When God is in his throne. Oh, le trône de Dieu c'est l'homme. Now, the throne of God is man. C'est pourquoi le papa de Branham. That's why the father of Branham. Akufazo Mela. He died. He was busy drinking. Mais Dieu ne comptait pas ça. God was not counting it. Faites attention avec Joseph. Watch out with Joseph. Attention avec Billy Paul. Watch out with Billy Paul. Andy Mandy Mate. May he believe or not, lui Dieu ne compte pas. Him, God doesn't count. Dites amen. Say amen. Mais moi et toi, you and me, nous devons croire. We must believe. Est-ce que vous donnez ma macabre? Do you believe these things? Est-ce que vous sociez ma macabre na te? If you understood what I preach, Jésus a couvert la bateau tout est. What I'm saying, Jesus never died for everybody. Mais épouse. But he died only for his bride. Il dit l'église épouse parole qui croit la parole de là. Who is the bride? The bride word that believes the word of the day, the age. La chose qui a chopé à la parole de l'âge. Now, the thing that makes people to stumble, it's the like word of the age, is the form. Est-ce que vous comprenez?
Do you understand? C'est-à-dire que Adam on a une forme na yé. It means Adam saw him in his own form. Do you really believe these things? Come. One man, him. But each one saw him. Me, I see him in what? Me, I costume. Me, I see him with a suit. What type of person is he? A changé. He never changed. Branham dit, c'est ça la parole de l'âge. Bible say that is the word of the age. Qui ensevelit vos péchés? Which buried your sin. Or les lo. Now today. Ma frère a message. Part of the message speaking a lot. Forme ya Galilée ça les lo. That form of Galilee is it today? Branham dit. Branham says. Si l'apparaît ici. If he appeared here. Dans cette forme, under this form. Ce ne serait pas lui. It won't be him. Il apparaît dans la chair humaine. He appeared in human flesh. On calvitie. A bald head. Forme à Jésus Christ. The form of Jesus Christ. Pour ensevelir mes péchés. To bear it by sin. Dans ce temps de la fin. In this end time. C'est en calvitie. Is a bald head man. L'homme n'est pas Dieu. The man is not God. La forme n'est pas Dieu. The form is not God. Mais Dieu a pris la forme. But God took the form. I can feel unbelief. Ça c'est la forme. This is the form. What I need is water. C'est pas le verre. It's not the glass. Qui peut dire amen? Who can say amen? Mais l'eau. The water. Je ne peux pas le boire. I cannot drink it. Sans. With fault. Voilà. This is it. Chaque âge. Each age. Where is another glass? Where is another glass? Ah, exactly. There's no glass. Now today you must believe these things. Each age. Is the same God. Ici. Here. Is under this form. Another age. The same one. In this form. N'allez pas boire Dieu. But how to see God. Dans la forme qu'il a vidé. You can see God in what he emptied. Branham dit c'est pourquoi. That's why. Il s'est kénosé. Il kénosé. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Je crois que vos péchés sont pardonnés. I believe your sins are forgiven. Lève-nous. Let us all sing. Chantons ensemble. Let us sing. Jésus prit mes péchés.